messe du patriarche célèbre l'arrivée de Noël, l'ouverture de la porte sainte à Bethléem exprime le désir de paix et de miséricorde des Palestiniens et du monde entier. Les préparatifs s'accélèrent à Bethléem, la ville accueille pèlerins, touristes et habitants venus fêter la naissance du Christ. Le patriarche Toile a ouvert la porte sainte de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Le territoire déchiré par les guerres successives est entré à son tour dans l'année de la miséricorde. Noël au Caritas Baby Hospital de Bethléem, le seul hôpital pédiatrique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, accueille chaque année près de 40 000 enfants. La société caritative antonienne de Bethléem a fêté Noël avec les résidents du centre de jour pour les personnes âgées, au programme messe, danse, cadeaux et repas convivial. Ouverture d'une pâtisserie à Bethléem, un mélange de tradition et de saveurs réunis dans le panettone de Bethléem, idéal pour fêter Noël avec vous. Le visage miséricordieux de Dieu est au cœur de ce Noël. Dans tout le monde chrétien, résonne l'appel du pape François, comme ici à Bethléem, la ville natale de Jésus. Dans le programme de cette nuit à Bethléem, la première cérémonie fut l'ouverture de la porte sainte menant à la grotte de la Nativité. Une cérémonie présidée par le patriarche latin de Jérusalem, en présence des autorités religieuses. La messe a été suivie par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, les autorités civiles, ainsi que par les religieux de Terre Sainte et par le monde entier. La miséricorde devrait englober les proches et les lointains, ceux que nous aimons et ceux que nous détestons, écrit le patriarche dans son homélie, lue par Mgr William Chevalley, qui a ensuite rappelé les millions de réfugiés dispersés dans des camps et des casernes, dans le froid et le dénuement. La miséricorde affecte également tous les domaines de la vie publique, continuait l'homélie, politique, économique, culturelle et sociale, et à tous les niveaux. Le patriarche a lancé un appel à ceux qui détiennent le sort du peuple, ceux qui font des choix politiques porteurs de mort, afin qu'ils se repentent et que le souci de la dignité humaine l'emporte sur leurs intérêts matériels. Il a souligné que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais une expression de la toute-puissance divine. La cérémonie a pris fin par une salutation à tous les présents et à tous ceux qui ont suivi l'événement à la télévision, à tous les habitants de Terre Sainte, chrétiens, musulmans, juifs et samaritains. Après la messe, a eu lieu un geste symbolique d'une grande tendresse, la procession à la grotte de la Nativité avec l'enfant Jésus, celui qui pendant des siècles a été appelé le prince de la paix et qui cette année se révèle également sous le visage de Dieu miséricordieux. Voici l'étoile, cette étoile là-haut, c'est l'étoile de Bethléem. Aujourd'hui, le centre du monde est en Palestine. Le monde entier attend, plus ou moins distrait, conscient ou intéressé, Noël, cette fête qui s'est passée il y a 2000 ans, ici même, dans ces rues, où, sans demander un quelconque permis, Jésus est né. Born, was born, born free from sin.
Elles sont nombreuses les raisons qui amènent ici. Cette étoile a un aspect et une signification pour chaque personne. Un projet de coopération, un pèlerinage, sa propre famille ou peut-être le traditionnel sapin de Noël et la fête sur la place. Mais comme un aimant, cette petite région continue au fil des années d'attirer des personnes de toutes nationalités et religions. My name is Mitchell and I'm from the United States. I'm in Bethlehem. Presently live in Montreal, Canada. I'm from Australia. Vengo dall'Italia. Je suis ivoirienne. De la Côte d'Ivoire. من أريحة طالب بجامعة أبو دياس. I'm from Germany. Originally we are Zimbabweans but we live in the UK. From Indonesia. Je m'appelle Jeanne, je viens de France et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Certaines traditions se répètent chaque année. Les parades des différents groupes scouts qui animent la Terre Sainte, l'entrée du patriarche latin dans la basilique Sainte-Catherine, la prière des vêpres en présence du maire et des autorités. Mais le cœur de chacun attend une nouveauté, un imprévu qui puisse raviver l'attente et le désir de célébrer pour découvrir que, au fond, il vaut la peine de vivre et que souvent, au travers de routes inattendues et tortueuses, il existe un projet de bonheur pour chacun. La bande de Gaza aussi est entrée dans l'année jubilaire de la miséricorde. C'est avec une messe célébrée dans la paroisse de la Sainte Famille que sa béatitude Foitoile, patriarche latin de Jérusalem, a ouvert la porte sainte dimanche 20 décembre en présence de Mgr Marc Uzzo, vicaire patriarcat pour Israël, du père Georges Ayoub, chancelier, de nombreux prêtres du patriarcat ainsi que plusieurs responsables d'organisations caritatives catholiques. Seules deux portes saintes étaient à l'origine prévues, à Nazareth et à Jérusalem, mais ainsi la communauté chrétienne de Gaza, dont l'impossibilité de sortir du territoire en raison de restrictions politiques, n'aurait pu participer au jubilé. Le patriarche a donc décidé qu'il y aurait une porte sainte à l'intérieur même de la bande côtière. Qui à Gaza, abbiamo aperto la porta dell'anno giubilare. Ici à Gaza, nous avons ouvert la porte de l'année jubilaire uniquement dans l'église. Mais c'est la ville elle-même qu'il faudrait ouvrir, elle qui n'a même pas de porte pour entrer ou sortir. Cette petite porte est le symbole des portes qui doivent s'ouvrir à Gaza pour lui permettre de respirer, lui permettre une liberté de mouvement pour le travail, etc., etc. Nous continuons à prier car nous croyons dans la force de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à tous. Une journée de fête pour les quelques familles catholiques de Gaza. Les enfants ont joué une pièce de théâtre, tous ont chanté les chants de Noël avec émotion, les yeux tournés vers l'enfant de la crèche, lui demandant l'espérance et surtout la résolution d'une situation difficile et épuisante pour toute la population de Gaza. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir ouvert ici la porte sainte. Les chrétiens de Gaza pourront ainsi recevoir les indulgences. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à tous. Cette année sera pour nous un Noël très spécial, car nous sommes désormais entrés dans cette belle année de la miséricorde. Et grâce à Dieu, nous avons eu la chance d'avoir également à Gaza une porte sainte, qui sera une bénédiction pour tous les chrétiens de Gaza. Nous voulons vous souhaiter une année pleine de miséricorde, pleine de bonté et d'amour de Dieu. Merci infiniment. Nous vous souhaitons une très belle année de la miséricorde. Joyeux Noël. Bellissimo anno della misericordia. Buon Natale. Une oasis de paix et de tranquillité pour les enfants qui vivent en Cisjordanie et pour leurs familles. Ainsi est désigné le Caritas Baby Hospital de Bethléem, le seul hôpital pédiatrique de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Depuis 1952, année de sa fondation, les portes de l'hôpital sont toujours ouvertes pour accueillir chaque année près de 40 000 enfants et mères palestiniennes, sans distinction de religion, de nationalité ou d'origine sociale. Un lieu que le patriarche latin Mgr Foitoile a visité comme chaque année
afin de faire part de ses vœux de Noël et de célébrer une messe pour le personnel et les patients. Cet hôpital est ouvert à tous. 90% des malades viennent d'Hébron et des camps de réfugiés. C'est un geste continuel de charité sans frontières, au service de l'humanité tout entière. Nous sommes venus avant Noël faire nos vœux et les remercier pour le beau témoignage qu'ils donnent. Leur cœur est grand et généreux et ils se donnent beaucoup. Et en même temps, il y a des enfants qui nous rappellent les moments difficiles durant lesquels Jésus n'avait trouvé personne pour l'accueillir. Ici au moins, ils ont l'hôpital. Lors de notre rencontre, nous avons souligné que la joie de Noël ne doit pas nous faire oublier ceux qui souffrent et ceux qui sont marginalisés, que ce soit les réfugiés, les sans-abri ou les personnes délaissées. En tant que chrétiens, nous devons ouvrir nos cœurs pour faire de la place à tous, par notre témoignage, notre charité et notre générosité. La célébration de la messe a été suivie par un moment de fête avec le patriarche, qui ensuite est allé visiter certaines sections de l'hôpital afin de saluer les enfants malades et de prendre des nouvelles de leur santé. La visite du patriarche est importante pour nous. C'est une tradition annuelle pour sa béatitude au cours de la période de Noël, étant donné que nous sommes le Caritas Baby Hospital de Bethléem, lieu de naissance de l'enfant Jésus. La visite du patriarche est une tradition qui se poursuit depuis 20 ans. Il vient pour annoncer Noël à notre personnel et aux enfants malades. Pour nous, il est important de sentir l'atmosphère de la fête et d'expérimenter la charité. Les régions de Bethléem et d'Hébron sont le foyer de plus de 100 000 enfants de moins de 4 ans. Dans toute la Palestine, ils sont plus de 500 000, sans nulle garantie d'assistance sanitaire. C'est pourquoi le Caritas Baby Hospital de Bethléem est si précieux. La visite du patriarche, quelques jours avant Noël, a été l'occasion d'échanger des vœux en présence des enfants déguisés en Père Noël avec la tenue complète, la barbe et les cloches. Messe, musique et danse traditionnelle. Un repas festif et des cadeaux pour chacun. C'est ainsi que Noël a été célébré à la Société caritative antonienne de Bethléem. Samedi 19 décembre, les seigneurs palestiniens, hébergés dans le centre, ont fait la fête en compagnie des sœurs, des bénévoles et du curé de la ville. Nous avons une tradition ici dans la paroisse de Bethléem. Souvent, avant Noël, une semaine avant, nous venons ici et avec ce petit groupe d'anciens et de personnes âgées, nous commençons la messe de Noël. La messe commence vers 9h. Ici, ils chantent tous les chants de Noël. Après la messe, nous faisons aussi une grande fête, notamment avec un déjeuner festif. Puis le Père Noël vient distribuer des cadeaux à tous les anciens. La Société caritative antonienne tient depuis octobre 2012 un centre de jour pour personnes âgées, ici trois fois par semaine. Les sœurs et les bénévoles accueillent une cinquantaine de Palestiniens qui vivent seuls ou dans des conditions de nécessité économique ou médicale, ou qui ont juste besoin d'un repas chaud. L'activité d'aujourd'hui fait partie d'un projet beaucoup plus grand par lequel la custodie de Terre Sainte, par le biais de l'association ATS Pro Terra Sancta, prend soin des plus vulnérables et des plus nécessiteux à Bethléem. Dans le contexte dans lequel nous sommes, les anciens sont sans aucun doute les plus vulnérables. À Bethléem, il n'y a aucun type d'assistance publique pour ces personnes. C'est donc l'église locale qui prend soin d'eux. Nous sommes la section femmes de la Société caritative antonienne, la branche féminine de l'association qui s'occupe d'aider les femmes âgées et de pallier à leurs besoins quotidiens. Nous leur apportons aussi un soutien moral par des activités communautaires, la randonnée par exemple. Telle est notre tâche à nous, les femmes au sein de l'association, surtout en cette période de Noël. Nous organisons des activités pour les femmes qui vivent dans cette maison, mais aussi pour celles qui viennent de l'extérieur. Parmi ces femmes, il y a Myriam, ou Mary, selon comment elle préfère être nommée, mi-libanaise, mi-palestinienne. Elle est un membre permanent de la société. Myriam parle italien et français, aime danser et chanter, et a un seul désir pour Noël. J'attends tellement de ce Noël, parce que j'aime tellement Jésus. Mon nom est Myriam, comme la mère de Jésus.
Alors je dois demander à la Vierge de me rendre semblable à elle dans mon cœur. C'est très important pour les personnes autour de moi. Molto molto importante per la gente qui sono vicino di me. Dans un coin de Bethléem, sur la place de la Nativité, les parfums de l'excellence italienne se mêlent aux saveurs de cette terre sainte. La levure, les amandes, les dattes, le miel et les raisins secs. Des saveurs de deux traditions qui se rencontrent grâce à un projet de collaboration entre la commune de Bethléem, la coopération italienne et la Fondation Jean-Paul II. Ce projet a vu la création d'une pâtisserie qui a ouvert ce dimanche 13 décembre, permettant à de jeunes Palestiniens de trouver un nouvel emploi et de suivre les enseignements d'un chef pâtissier appliqué à leur transmettre la tradition italienne du grand levain avec quelque chose en plus, le Made in Bethléem. Je n'aurais jamais pensé venir jusqu'ici pour partager le savoir-faire italien, comme je le faisais dans ma propre pâtisserie. Avec le savoir-faire italien, notamment un levain spécial, nous pouvons faire se lever du grand levain. Partager ce savoir-faire, c'est les aider à apprendre un nouveau métier et ainsi avoir une ressource économique, tout en faisant bénéficier les pèlerins qui viennent en Palestine. Le défi de mélanger les ingrédients secrets de la confiserie italienne aux ingrédients typiques de la région est bien relevé. Une explosion de 1000 saveurs à déguster. Ce fut des journées intenses parce que nous avons travaillé jour et nuit et nous avons développé cette nouvelle saveur, celle faite de dattes et de miel, avec des ingrédients un peu liés à la particularité de cette terre. Pour moi, ce fut une aventure, ce fut magnifique de travailler avec eux. Ils se sont énormément impliqués, ce sont des jeunes incroyables. Troppo bello, poi lavorare con loro, il loro impegno è stato tantissimo, ci sono ragazzi straordinari. La pâtisserie est quelque chose de formidable et il n'y en a nulle part ici en Terre Sainte. Je suis très heureux d'avoir appris quelque chose comme ça, qui n'existe pas ici. C'est unique. Regardez, c'est véritablement une pâtisserie italienne. Nous avons fait des croissants, des croquants aux amandes, quelque chose de délicieux. Je pense que tout le monde est content de ce projet. Nous avons fait travailler de nombreux jeunes. Et puis le pain de Bethléem, le panettone de Bethléem, est frais. Il est bon, aussi avec des dattes, un fruit qu'on ne trouve pas partout. Le remélange des traditions a donné naissance, dans la ville du Sauveur et la veille de Noël, à une pâtisserie unique en son genre, le pain de Bethléem. Siamo particolarmente soddisfatti perché è stata prima di tutto una bella faticaccia. Nous sommes particulièrement satisfaits de ce beau travail. Ceci est la deuxième partie d'un projet pour la formation du personnel palestinien. Il y a eu d'abord la crème glacée, puis cette pâtisserie qui fait de délicieux gâteaux comme celui que j'ai à la main. Le panettone de Bethléem qu'on appelle alzaki, ce qui signifie en arabe « délicieux ». Et qui s'appelle alzaki, qui en arabe veut dire « delizioso ». Nous remercions tous ceux qui ont pris part à la réalisation de ce projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un rêve qui, pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de gens, se réalise ici à Bethléem. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.